Régine, oui. Merci pour ce moment d'interview à l'occasion de la sortie du livre. Et donc, j'ai 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Oui. Merci à vous de venir vous intéresser à notre récit. Alors, la lecture du livre, elle prend véritablement, on se prend dans l'histoire. Et c'est comme si on vivait, comme si on s'appropriait l'aventure. De votre papa. Il est quasiment impossible de lâcher le livre quand on l'a commencé. Merci beaucoup. C'est comme si on voulait, avec Abraham, se sauver soi-même, se sauver de cette mauvaise passe, de cette mauvaise histoire de vie, de ce cauchemar. Alors, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de ce que vous venez de dire, parce que pour moi et pour ma sœur, la sortie de ce livre est très importante. Pour remercier mes parents d'avoir, à chaque minute de leur vie, pendant 5 ans, dans le Varsovie, et surtout dans le ghetto de Varsovie, d'avoir tout fait pour nous sauver. Mon père s'est promis de nous sauver. Il nous a sauvés. Et je ne sais pas si je ne peux pas en 2 minutes, en 5 minutes de raconter tout, mais en tous les cas, il s'est promis de tout faire pour nous sauver et il a réussi. Et ce n'était pas facile. Il sortait au prix de sa vie chaque jour du côté arien pour nous apporter. Justement, donc Abraham, dans cet enfer de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne, c'est celui qui va trouver les clés, les solutions, souvent à la dernière minute, des solutions temporaires pour survivre, pour vivre simplement l'instant présent. Exactement. Je ne sais pas comment, de toute façon, à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte. J'avais 7 ans en 39, 8 ans dans le ghetto. Et d'où il prenait toutes ces idées à chaque instant, à chaque moment. Aussi bien dans le ghetto, parce qu'il fallait se battre quand on rentrait avec quelque chose. Et il voulait se battre pour sortir et ne pas être pris. Parce que souvent, le nazi ne reconnaissait pas tout de suite un juif. Mais les Polonais, du premier coup d'œil, et souvent, il s'est fait prendre comme ça. Et encore une fois, en quelques minutes, je ne peux pas tout vous raconter, mais en lisant les livres, je crois que tout est sorti. Abraham Apelkir, c'est en quelque sorte l'homme idéal. C'est aussi un mari idéal, c'est un père idéal. Il va devenir donc le sauveur. C'est celui qui transmet à la fois la foi et qui va aussi transmettre un amour inconditionnel pour sa femme, pour ses filles, pour cette situation qu'il vit. C'est totalement la vérité. Il aurait voulu sauver beaucoup plus de monde de sa famille, parce que 40 personnes de sa famille sont parties dans les fours crématoires. Mais il n'a pas pu faire pour tout le monde, c'était impossible. Déjà, je ne sais pas comment il faisait, encore une fois, au prix de chaque instant, au prix de sa vie. Et que vous dire en quelques minutes, nous avons vécu dans le ghetto jusqu'à l'âge de la résurrection, jusqu'à la révolte du ghetto. Mon père a compris qu'il fallait sortir la veille. Il a trouvé une chambre où nous avons été cachés chez des catholiques, comme c'est raconté dans le livre. Je regrette aussi de ne pas rester de mon père, parce que ma mère a été formidable, vraiment formidable. Elle suivait ce que son mari lui disait, mais elle était très forte de supporter. Alors, retranscrire cette histoire de vie à ce moment, en ce moment, c'est à la fois un acte de justice, hein, c'est pour l'exemplarité et le dévouement d'Abraham Apelkir, qui a combattu pour se sauver et sauver sa famille. Mais c'est aussi rendre à Abraham Apelkir justice pour révéler, pour relever ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de grand. En tout cas, je voudrais vous dire que toute sa vie, il a voulu crier au monde ce que nous avons passé, pas seulement nous, mais nous, je veux dire, les Juifs dans ces ghettos. Ce que les Allemands nous ont fait. Et toute sa vie, il me disait, mais tu connais tellement, tu as des amis, pourquoi je n'arrive pas à les faire éditer ces livres. Et c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que j'essaye de les faire éditer. Et enfin, Talandier, grâce à Dominique Missica également, et nous avons été extrêmement surpris quand le grand directeur de Talandier nous a reçus. Et qu'il nous a récité presque la vie de ces 5 années. Alors, quelle que soit l'adversité de la vie, il n'y a pas de plus grand courage que celui de votre papa, de ne pas fuir et de faire.
c'est un message pour tous les temps, hein, c'est un message qui est quasiment universel, une philosophie de vie, en fin de compte, que vous transmettez en retranscrivant. Avec beaucoup de bonheur pour mes parents, parce que c'est vraiment, pas leur rendre hommage, mais pour les rendre un petit peu de ce qu'ils ont fait pour nous toute leur vie. Vous avez dû peut-être lire dans le livre que mon père a dû sauter deux fois du train, se battre à l'intérieur du train, parce que malheureusement, beaucoup de gens ne voulaient pas croire où ces trains les menaient. Mais mon père avait compris tout ça bien longtemps avant. Et d'autres choses que vous lirez dans le livre, que je ne peux même pas les raconter parce que j'étais une petite fille et ma mère était enceinte, et ça vous lirez dans le livre, ça m'est très difficile de les raconter. En tous les cas, Régine, merci de ce moment d'interview. Et si je peux me permettre la conclusion, le père que vous décrivez ici, c'est le père que tout enfant aimerait avoir. Ça c'est vrai. Vous avez toujours été un père très proche, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre aussi. Et je voudrais rajouter juste une chose. S'il nous a permis à nous reconstruire comme ça, ma sœur et moi, c'est parce qu'il nous a toujours dit en racontant après la guerre, « Mes filles, n'oubliez jamais, mais ne vivez pas avec ça. » Donc voilà, nous sommes deux femmes qui ont survécu avec bonheur. Nous apprécions tout ce que la France nous a donné. Et voilà, c'est le bonheur.